fois on sait le mal qu'on va faire, mais on le fait quand même. Après on s'étonne de se retrouver toujours dans les problèmes. Et quand le fait retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab, je suis comme Rick et Morty. Je roule une boîte de l'espace, on remonte les stats. De la nuit je réponds pas, je reprends mes habitudes, tu connais c'est comme d'hab. Et quand le fait retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab, je suis comme Rick et Morty. Je roule une boîte de l'espace, on remonte les stats. De la nuit je réponds pas, je reprends mes habitudes, tu connais c'est comme d'hab. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Comme d'habitude, on va se regrouper ce qui s'est passé entre hier soir et avant-hier soir, puisque hier j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé l'équipe, hier j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai accompagné Bibip en studio, tu vois. Donc je suis rentré, j'étais vraiment KO, je me suis posé sur la chaise, je me suis endormi sur ma chaise carrément. Passage pour les personnes que ça intéresse, il y a plein de personnes qui m'ont demandé le son en début de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, on va le publier sur Instagram, sur mon Instagram et sur celui de Bibip. Je vous mets tout dans la description pour les personnes que ça intéresse. Sinon là je vous ai regroupé tout ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, ben regardez la vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence à activer tout de suite. À l'équipe, pour la première actualité, il y a Laurent Bounou justement qui a répondu à Booba par rapport à l'annulation de son Skyrock. Et en gros, il a dit « C'est vrai, nous avons refusé que l'émission soit en direct pour des raisons de sécurité. Booba, il est toujours bienvenu s'il veut enregistrer. » Regardez ce que Booba il lui a répondu. En gros, il a repris son message et il a dit « Laurent Bounou, il y a la police que tu peux contacter à l'avance pour être sûr que ce soit soft. Mais sinon, je te propose de faire l'émission en différé pour te rassurer. Par contre, je viens avec nos caméras pour éviter toute contrefaçon lors de la diffusion. Deal ?» Et en gros, il a mis un point d'interrogation, etc. Et là, il était vraiment sérieux, tu vois. Suivez bien la vidéo, vous allez comprendre. Juste après, il a reclashé encore une fois Fred Musa. Bref, j'ai pas trop compris. En gros, il a dit « Laurent Bounou, et au passage, tu viens d'avouer que Frédérico est un mytho. Faisons ce planète rap, explosons les compteurs, zombie. » Donc voilà, en gros, il est vraiment chaud pour faire un planète rap. Regardez juste après, c'est ce message-là, justement, qui dit comme quoi il va vraiment faire un planète rap. En gros, il a publié ce message, il a écrit « Laurent Bounou, Fred Musa, l'amour triomphe toujours. Ultra, 5 mars 2021. » Et en gros, c'est une photo de lui et puis de Gâteau, tu vois, c'est un montage dans le studio, justement, de planète rap. Donc maintenant, est-ce qu'il sera là-bas? Je sais pas, il faut voir avec Skyrock. Ouais, en effet, Laurent Bounou, justement, il lui a répondu par rapport à ça et il lui a dit « C'était vrai, il faut y croire en tout cas. Je reviens demain vers Anne pour lui répondre sur ta proposition. Car je n'oublie pas, je ne deal pas en direct avec le duc. » Ah là là, donc voilà, c'est le message que Laurent Bounou il a dit. Bref l'équipe, et puis dans la soirée, justement, il a publié une photo de la femme de Mehdi Mousse, tu vois, sur Twitter, que j'éviterai de mettre justement dans cette vidéo. Et il avait justement mis plusieurs messages qu'il a supprimés. Et juste après, il a mis justement une conversation de Mehdi Mousse qui dit « Ok, Booba vient de publier une photo de ma femme sur Twitter pour rien du tout. C'est fou là, sérieux. » Et il y a un mec qui lui répondait « Tu peux appeler Cop si tu le souhaites. Je pense que tu as son numéro ou lui envoyer une lettre d'avocat si tu préfères. » Donc voilà. Et en gros, Booba, il a repris tout ça et il lui a laissé un long message. Il a écrit « Et Jimous, tu penses que Kenny va appeler Anne Cibron ou pas ?» Avec plein de smiley mort de rire. « Rien dit sur ta femme. J'en ai même pas parlé. Elle est jolie en plus. Stabilise, frérot. En tout cas, je suis sur tes côtes à vie. » Donc voilà. Et juste après, il a mis plusieurs menaces comme quoi il avait dit qu'il allait jamais le lâcher. Tu vois, comme quoi, je sais pas pourquoi en fait, il va jamais le lâcher. Et moi, je pense que c'est par rapport à la première émission. Je pense que Mehdi Mousse, il l'avait invité, etc. Et Booba, il avait accepté. Et c'est le premier rappeur justement qui avait accepté de faire l'émission. Et c'était le lancement de l'émission. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour ça que Booba, bah, il lui a mis plusieurs messages, etc. Tu vois, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Bref, des clips. Et juste après, il a mis justement un screen comme quoi il était numéro 1 en tendance des tuteurs. Et il a écrit c'est lourd ça, les tutos. TT1, c'est lourd. Bref, voilà, t'as capté. Toute l'équipe, petite info qui me fait plaisir de vous en parler. Il y a le film En passant pécho qui est dispo sur Netflix aujourd'hui. Donc si jamais tu t'ennuies ce soir, bah va le voir et puis voilà. En plus de ça, l'équipe, pour la BO officielle justement du film En passant pécho, regardez tous les rappeurs justement qui est prévu dedans. On peut retrouver Duval, Junino, du PLK, Zola, Lacrim, Chimal, Huss, RK, Leto, Dauzi, Kalash Criminel, Sadek, Luce Rival, bref, Sosomanes, etc. Al Capote. Franchement, la BO elle est vraiment, vraiment, mais vraiment chargée. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette actualité d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Je te mens pas, je suis congelé aujourd'hui. Il y a fait moins 7 degrés à Metz, j'étais congelé, un congélateur. Et au passage, dites-moi, il faisait combien chez vous? Parce que le moins 5 et le moins 7 chez moi, je l'ai vraiment senti passer. Bref, sinon voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Je vais pas te casser les couilles trop longtemps et puis c'est juste pour référencement. Si t'as envie de mettre un 1, 2, un 3 et puis voilà, ben... toi-même tu sais. Donc voilà l'équipe, moi sinon j'arrête de te casser les couilles, il y a un rappeur qui est prêt en fin de vidéo, si j'ai à sortir pour une veine croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, bah je t'invite aussi à regarder le rappeur en fin de vidéo, je pense que tu vas kiffer. Bref l'équipe, au passage, j'ai encore à préciser, n'hésite pas à venir sur mon Instagram ou sur celui de Bibip si jamais tu veux voir des musiques de Bibip, etc. Tu vois, puisqu'on envoie des délires dessus avant de les mettre sur YouTube. C'est vous qui nous donnez votre avis en fait, t'as capté. Peace les gars.
Pour la guerre avant la trêve, tous ces gens de la vie qu'on prive. Des fois on sait le mal qu'on va faire, mais on le fait quand même. Après on s'étonne de se retrouver toujours dans les problèmes. Même ces temps-ci les gens se font moins tuer par la balle, par les condés. Aujourd'hui t'as tout le monde qui te filme et personne qui vient t'aider. Yeah yeah. Du truc. Et quand le fer retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab. J'suis comme Rick et Morty, j'roule une boîte de l'espace, on remonte les stades. De la nuit j'réponds pas, j'reprends mes habitudes, tu connais c'est comme d'hab. Et quand le fer retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab. J'suis comme Rick et Morty, j'roule une boîte de l'espace, on remonte les stades. De la nuit j'réponds pas, j'reprends mes habitudes, tu connais c'est comme d'hab. Allez que j'te parle d'un truc.